Il ne reste vraiment qu'une séance d'entraînement maintenant avant le premier match. Donc ouais, je me sens bien excité, serein, mais excité de reprendre. Je me sens bien physiquement. Donc on sait que ça va être un match très difficile. Premier match chez le champion. Ça va être, je pense, eux, leur premier match à domicile avec leur titre. Donc on s'attend à un gros match. Et après l'équipe, je la sens vraiment pareil, un peu dans le même sentiment que moi, je sens l'équipe vraiment prête et voilà, serein. On est pas trop on est excité parce qu'on a envie, mais c'est dans le bon sens du terme. Quoi. On a vraiment envie de bien faire les choses et ça s'est vu, je pense, dans les derniers entraînements de la semaine. L'équipe, elle est là. C'est le gros noyau de celle qui a fait la demi-finale contre Saint-Étienne l'an dernier, plus quelques recrues et puis ça n'a pas trop bougé l'équipe de match de Londres pour celui de Carca et là celui qui arrive Saint-Étienne. Donc voilà, on a bien bossé sur les automatismes et ça se voit, voilà, comme je dis, ça fait depuis même la semaine dernière où ça bosse vraiment très bien. Et, il nous tarde une chose, c'est de le montrer à tout le monde. Oui, il en parle quand on rentre dans les détails sur des petits points, parce que c'est leur jeu, ils n'ont pas tout changé en 4 mois, ils n'ont pas tout changé, ils ont quand même les mêmes joueurs eux aussi, ils n'ont que 2 recrues, donc ça va être la même équipe en face, et évidemment on a parlé de la demi-finale, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, ce qu'eux ils font, c'est revenu un peu dans la... Les paroles du coach. Les clés du match, c'est un peu notre... ce qu'on a beaucoup bossé pendant 8 à 10 semaines, c'est la défense. Je pense que ça, surtout en plus des premiers matchs, là-bas, il va faire très froid, il annonce peut-être la pluie, voire de la neige. Donc le gros point, le gros objectif, c'est notre défense. Ça demande de ne pas laisser... rien de laisser passer, mettre de la pression sur leurs joueurs comme Burns et Wilkin qui font un peu, c'est eux deux qui mènent un peu la marque avec Lomax derrière qui choisit les bons côtés. Voilà, c'est un peu les 3 joueurs qui à surveiller, bien sûr leur gros pack, ils ont un gros pack, nous aussi je pense, et ça va être vraiment un gros test sur ce point-là. Oui, j'ai joué 2 matchs à Saint-Étienne. C'est la première année où on gagnait la dernière seconde avec l'essai d'Aril. Et l'année d'après, la première année de Laurent, on gagne aussi avec une grosse défense. On avait retrouvé une très grosse défense. Et je pense que ce sera la clé, ça va être un peu le même style de match. Il faisait froid, on avait mis les barbelés, une équipe solidaire, on avait retrouvé une équipe solidaire et ça a été vraiment très important. Et après, ce stade, je pense qu'il va être vraiment plein et ils vont attendre beaucoup de leur équipe qui vient d'être champion. Donc on sait qu'on va être dans l'adversité et on s'est préparé pour ça. On m'en avait déjà donné en 2012 et ça avait fait avec Greg aussi, c'était une fierté, je pense qu'on avait fait du bon boulot et ça reste pareil quoi. Quand on me l'annonce, je savais que quand je revenais, Laurent attendait ça de moi, donc maintenant tout le monde le sait et moi je suis fier bien sûr d'être un nouveau co-capitaine avec Greg et il va falloir le montrer toutes les semaines.